Alors, est-ce que tout le monde est off? Ouais. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Eh bien, hop, je vais régler mes trucs, moi. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Je ne sais plus. Ouais, Oui? c'est bon. Alors, ok. Bonsoir pour cette édition du mois d'août de Curator. Comment allez-vous, Frédéric, Sandrine, la Ça vie, le va, écoute, bon. travail, hein, les amours, le soleil, la canicule? La fin des énergies fossiles, la pénurie de gaz, la famine, quoi d'autre? Pour Voilà. l'instant, l'apocalypse se propage plutôt bien, je trouve. Bon, bah voilà, bah, c'est bien. Personne n'a contracté de variole du singe. Non. Allez. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donne nos petites déconnades. Donc, ce curateur, c'est notre petite émission mensuelle de partage de ressources où nous allons partager avec vous donc des outils, présenter éventuellement des portraits, des projets, donner un peu de l'actualité des réseaux, du réseau et des rencontres qu'on a fait ce mois-ci, présenter l'agenda et avoir éventuellement quelques discussions et débats sur des thématiques diverses. Donc on va commencer par la partie ressources et outils. Donc Sandrine, je vais te laisser prendre la main. Oui. Dis que je vais faire le suivi de Ok. texte. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Donc normalement là, vous voyez tous mon écran. Alors, pour cette édition d'août, j'ai sélectionné trois ressources qui sont plus à destination des personnes qui travaillent dans le graphisme ou qui, on va dire, ont des activités liées au graphisme. Alors la première ressource se nomme Duotone et en fait c'est une petite application en ligne qui vous permet, et eh bien comme son nom l'indique, de basculer des photos en couleur ou noir et blanc en bicolore. Donc vous choisissez du coup, les couleurs que vous voulez, comme là je fais, et ça va vous permettre en fait d'avoir eh bien, des photos ou des visuels, en tout cas, de manière bicolore, ce qui peut être assez intéressant pour bien tout votre communication. Vous pouvez directement chercher des visuels parce qu'ils ont intégré l'application Unsplash directement dedans. Donc, Unsplash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque d'images gratuite qui vous permet d'avoir des visuels, notamment des photographies, surtout gratuites, sans que vous ayez à payer une licence pour pouvoir les utiliser de manière commerciale ou personnelle. Voilà. Donc plutôt assez pratique. La deuxième ressource que je vais vous présenter, ça va être très rapide. En fait, c'est une sorte de petite ressource en ligne qui répertorie toutes les dimensions possibles et inimaginables des formats imprimés, que ce soit des enveloppes, des posters, des photos, des cartes de visite, etc. Et ça dans toutes les de manière internationale. Donc c'est pas que sur les formats européens, mais c'est aussi sur les formats états-uniens, etc. Donc je trouve que c'est assez pratique. Et vous avez déjà tout est classé en fonction des dimensions. Vous pouvez aussi avoir un petit schéma ici qui vous rappelle à quoi correspond chaque dimension si on les met les unes juxtaposées aux autres. Voilà, donc c'est plutôt pratique, notamment j'imagine pour les étudiants qui ont un petit peu du mal à s'y retrouver ou même pour les personnes qui veulent se lancer dans l'impression personnelle ou de manière professionnelle. Et bien là, vous avez un outil qui peut être plutôt intéressant à utiliser. Et la dernière ressource se nomme Blush. Et là, ça vous permet, en fait, c'est un plugin que vous pouvez installer sur Figma et Sketch, mais vous pouvez aussi utiliser le site en ligne pour télécharger des illustrations. Donc, ça vous permet, en fait, d'avoir accès à une énorme banque d'illustrations. Alors, vous avez une formule gratuite et une formule payante. La formule gratuite, elle vous permet d'avoir des illustrations largement gratuit, mais à un format PNG de moindre résolution. Avec la formule payante, c'est 12 dollars par mois, donc comptez 10-12 euros par mois. Vous avez accès à tout le site et à divers formats de téléchargement, notamment SVG, etc., que vous pouvez retravailler par la suite. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que en plus de la banque d'images, vous pouvez modifier directement les illustrations.
Donc, par exemple, si je vais dans, je sais pas, éducation, vous avez déjà des collections qui sont faites. Et alors, je ne sais pas si avec celle-ci, je vais pouvoir vous montrer correctement. Et en fait, vous pouvez soit la télécharger, soit l'éditer ici. Donc, si je clique sur le bouton éditer, ça va m'emmener vers du coup un petit, une petite fenêtre qui va me permettre d'éditer certaines choses. Donc, par exemple, je peux changer l'arrière-plan de la couleur. Je peux avoir des personnages, par exemple celui-ci, je peux carrément changer au niveau de la coupe de cheveux, au niveau de ses habits, etc. Donc, ça vous laisse vraiment un vaste terrain de jeu pour eh bien, avoir des illustrations pour vos blogs, vos articles de presse, pour plein de choses, vos réseaux sociaux par exemple. Donc c'est vraiment assez complet, surtout pour le prix, entre guillemets, parce que bon, par rapport à tout ce que vous pouvez faire, je trouve que 12 $ par mois, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous laisserai regarder vous-même et faire des petits jeux là-dessus. Voilà, j'ai terminé pour mes ressources. Eh ben, je vais continuer alors. Alors moi, je vais vous présenter plusieurs ressources. J'en ai mis un peu plus parce que j'ai pas de portrait après, donc j'en ai mis un petit peu plus. Je vais commencer par les ressources travail et on va terminer par les ressources vacances. Alors, le premier, c'est Excel Formula Generator, qui est un outil vachement bien qui vous permet de... faut descendre. Qui vous permet de taper en fait par exemple une formule dont vous avez besoin sur Excel ou Google Sheet et l'outil va vous donner la formule correspondante. Donc ça va vous sauver la vie parce qu'on les connaît, personne ne connaît jamais les formules et là c'est terminé. Deux autres outils ensuite qui s'appellent Shortly AI et Copy AI qui sont à peu près les mêmes. Ce sont deux outils avec une intelligence artificielle qui vous permettent, enfin qui écrivent à votre place en fait des articles de blog par exemple ou du contenu sur les réseaux sociaux, voilà pour vous faire gagner un petit peu de temps. Ensuite, une petite étude, alors une étude du BDM, mais c'est non, c'est le Talkwalker avec Hootsuite, que je trouvais intéressante parce que elle s'intitule Comment devenir une marque aimée sur les réseaux sociaux. Donc c'est une étude qui parle des différentes actions stratégiques à mettre en place pour toucher davantage ses clients et devenir une marque appréciée par les consommateurs. Bon, globalement, c'est donner des gages de durabilité. C'est-à-dire que ce soit pour des questions environnementales, économiques, en gros, ce que j'achète, bah, il faut que ça dure. Donner des gages aussi d'intérêt social, dans le sens où voilà, si vous êtes plus inclusif, si vous faites plus de diversité, si vous avez plus équité. Plus d'équité dans les salaires, des choses comme ça, c'est à mettre sur les réseaux sociaux. Et puis après, il vous donne aussi d'autres choses, notamment des conseils pour dire, pour montrer que vous attachez de l'importance à la confiance que vos clients vous donnent. Voilà, donc c'est une étude intéressante à lire. Et pour terminer, donc j'ai deux ressources vacances. Une qui s'appelle Atlas Obscura, qui est très bien. Moi, je l'ai utilisé, qui est en fait qui vous donne les lieux absolument voir dans une ville où vous êtes. Donc, par exemple, moi j'étais sur Paris. Alors, ça a tendance à donner un petit peu des lieux. Alors, bizarrement, un petit peu parfois insolites, un petit peu parfois mainstream. Il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, moi j'ai utilisé en allant sur Paris. Là, je ne sais pas. Bah, peut-être tu pourrais mettre Bourges ou Lille, ouais. Là, tu es à Bourges, la Sandrine. Peut-être tu. Et je me dis. Yep. Il n'y a pas de résultat? Bourges? Non, Ah pour non. Bourg et Ah ouais? pour Lille, il y a cinq, Des fois, il y a des c'est petites cinq villes, hein. endroits. Moi, j'ai tapé des petites villes, t'avais des trucs, hein. Bah écoute, Voilà. Lille, il y a quand même des choses, mais Bourg, non. Voilà. Alors, du coup. Il n'y a rien à Bourges. Ouais, après, il n'y a peut-être rien à Bourges non plus, ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc du coup, intéressant à aller voir.
pouvoir dire je l'ai vu. Et pour terminer, donc Cozy Cozy, qui est une application qui vous permet de savoir tous les bookings, en fait tous les endroits où vous pouvez réserver une chambre. Et au prix le moins cher. Alors, ce qui est un petit peu intéressant, c'est que il prend en compte aussi Airbnb. Donc, que ce soit Airbnb, Booking, j'en sais rien, Hotel.com, Expedia, machin, hop, tout est rassemblé sur le même site. Donc, ça peut être très intéressant. Voilà pour moi. Ok. Donc, moi, je partageais ma connerie. Je sais déjà. Je ne sais plus, c'est là. Hop, hein. Prendre le pouvoir immédiatement. Alors moi, j'ai deux ressources en soi. Les autres, c'est les mêmes. Donc, il y a une ressource donc, qui s'appelle Together Later. Et c'est l'idée, en gros, de se passer des réseaux sociaux en créant, en fait, en lançant des sortes de groupes de discussion, mais à partir des boîtes mail. Donc, ça vous permet, en fait, ça vous montre rapidement comment ça fonctionne. Hop, on va passer cette connerie. Donc, en gros, vous commencez à faire en gros créer des groupes, préparer vos messages, et ça va commencer en fait à les distribuer un peu comme dans un groupe privé, mais sans avoir besoin de passer par les réseaux sociaux. C'est gratuit pour l'instant. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Ça permet en fait d'avoir des sortes de petites newsletters d'infos via une boîte dédiée. Et donc voilà, ça peut être utilisé aussi bien pour l'entreprise, la famille, les amis, les groupes d'études. Et vous avez une toute interface en fait qui vous fait votre groupe de discussion. Donc ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu, vous n'allez pas vous faire chier à faire un forum ou même un groupe Facebook. Déjà, ça vous un peu libère des réseaux sociaux. C'est via les gens que vous connaissez via des mails. Donc moi, peut-être que je testerai ça. Tu pars au mari pour les covenants et tout. Ça peut être rigolo à essayer, à voir. Voilà, truc d'échange. Et puis là, ceux qui sont sur Facebook ou pas, puis comme on a l'email des gens, c'est un peu plus facile. Ouais, le concept est intéressant. Pour moi, ce qui me parle, c'est que les gens, ils n'ont pas essayé, comme ça, avec des fois en disant « nous allons faire une alternative à Facebook ». Non, ils se disent « on veut faire autre chose », même si l'idée derrière, c'est de proposer une alternative. Donc, ouais. Donc je vous conseille d'essayer de tester. J'ai été lire un peu les terms and conditions de privacy policy. C'est plutôt correct. Après, je suis pas juriste, il faudrait voir le détail. Mais donc voilà, je me dis des projets comme ça, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Ensuite, c'est plusieurs applications qui vous permettent de télécharger des vidéos depuis Facebook. Facebook va redevenir le niveau TikTok, maintenant que TikTok, on fait des vidéos courtes, blablabla. Puis bon, de temps en temps, il peut avoir des vidéos rigolotes que vous avez envie de regarder, de partager, pourquoi pas pour faire vivre les mèmes, les remixages, tout le bordel. Et donc, vous pouvez en fait... recopier en fait un URL de vidéo, j'en ai préparé un, du coup je vais aller dessus, c'est pas grave, depuis votre Facebook, et en fait ça va vous permettre de télécharger directement, on peut se télécharger nous-mêmes. Ah ouais, mais le truc en direct comme ça, c'est possible? Ouais, rien à cirer. et du coup, t'as l'URL, on va voir ce que ça donne. Ah, peut-être qu'en direct il va pas vouloir, c'est bien, ah si. Et là, il faut que ce soit fini. Ouais. Indéfiniment, peut-être. Ouais, il va faire un indéfiniment. Mais ça marche, en tout cas. Et en tout cas, il y a beaucoup de vidéos à la con. C'est horrible, c'est horrible. Ils ont l'air gentils, je sais pas ce qu'ils font. Ils chassent des animaux. Voilà. Et donc, du coup, prenez le lien pas de la vidéo en soi, hein, c'est le lien de la publication. Et en fait, il va retrouver la vidéo dessus. En fait, voilà. Vous voyez ? Et donc, après, vous pouvez la télécharger. Etc. etc. Vous avez Free Video Downloader qui fait la même chose, qui est plus une application. Donc, de toute façon, moi je préfère parce que ça évite d'être connecté en ligne tout le temps. Qui permet en fait de faire la même chose, mais il marche avec des URL de différentes plateformes. Vous pouvez télécharger du Vimeo, du TikTok, du Twitch, voilà, plein de trucs. Donc, ça peut être intéressant pour récupérer des formats. Alors, je pense à ceux qui font des mix-match, des montages, des parodies, des revues d'actualité, type zapping, ça se perd. Et ben là, ça permettrait en fait de récupérer des choses. Je me dis, tu vois, avec Adominem et tout, tu vas aller choper tes liens, etc. Ah oui, tu penses bien que je suis armé avec... j'ai plein d'outils comme ça. Voilà, celui-là, il est pas mal. Et enfin, donc, online vidéo downloader for Facebook toujours. Qui est, alors lui, la différence, c'est qu'en fait, vous mettez l'URL et il va vous la. C'est le format qui change.
Donc il est, je crois que c'est du MP4, le format est un peu plus compressé en général. Mais voilà, après, c'est en soi, c'est le même genre d'outil. Là, il rame, à mon avis, à côté du bloqueur de pub, et voilà. Et donc voilà, donc moi, c'est mes petits outils pratiques. Together Letters pour faire des groupes et des outils pour télécharger des vidéos Facebook ou non. Voilà, c'est fini pour la ventouse. Hop. En fait, Sorine, tu peux laisser ta fenêtre sur le côté et la reglisser, tu sais, quand on. Ah, Ouais. Comme ça. ok. Bon, bah du Parce coup, qu'on. comme on a fini les ressources, on va Changer passer les sur captions. portrait et projet. Attendez, attendez. Alors, Voilà. Portrait et projet, voilà. voilà. Bah du coup, je commence. Alors moi, j'ai un projet à présenter qui s'appelle Rural Indexing Project, ou en gros le projet d'indexation de ruralité. C'est un peu le même principe que l'atlas des régions naturelles que je vous avais présenté il y a quelques temps déjà. En gros, c'est une sorte d'atlas qui va où les gens prennent en photo notamment des bâtiments, des paysages. La différence, c'est que l'atlas des régions naturelles, ça se passait en France. Là, ça se passe aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le même principe avec un site qui est très épuré et avec des photos qui sont prises toujours avec un même protocole. Donc, en majorité de face, voilà. Et avec personne aux alentours, donc pas de personne, etc. C'est vraiment, ça fait un peu des photos très vite du coup, mais c'est vraiment pour faire en sorte de souligner le bâtiment qui est pris en photo. Et là, vous avez plusieurs façons eh bien, de vous y retrouver. Vous pouvez faire par site, donc par endroit. Donc, vous avez la carte des Oh. États-Unis et tous les petits points, en fait, c'est des endroits où vous avez accès à des photos. Du coup, vous Voilà avez juste Boston, à non. zoomer. Il Comment? n'y a pas Boston. Je vais à Boston. Boston. Ah. Alors, Tu peux pas le c'est surtout taper? un peu dans le Ah, centre. tu peux pas taper? Comment? Tu peux pas taper? Quelque part? Si, ici, vous avez une petite loupe, c'est vrai, j'ai pas pensé. Donc, si je Ah. fais Boston, on va Boston, chercher. Massachusetts, en bas. Je suis juste au-dessus de New York. Ah bah Eh j'ai bien, trouvé. non, il Ah n'y est non. pas. Oh my god! Mais Bah il y a après, ils vont pas, pas tout c'est vous dire que sûr. les États-Unis, c'est quand même très grand. Ouais. Du Ah ouais, il n'y a même pas New York en coup, vrai. Ah bah oui, c'est truc alors. rural, c'est truc ruraux en même temps. Ah oui, c'est rural, ouais. C'est Ouais. ruraux, oui, c'est pas les grandes villes, donc c'est pour ça que c'est assez concentré dans le Je vais aller milieu dans le du Dakota. pays. Mais je sais pas si on Je vais va aller dans dans le le Dakota du Tennessee. Nord. Dans le Tennessee, mais enfin. Bah, on clique dessus, hop, on clique sur View Location et vous avez toutes les photos qui ont été prises à Christina, Tennessee. Voilà. Et vous pouvez Aller cliquer dans le sur la Dakota du photo. Nord. Et voilà. Et donc, vous avez pareil des tags et vous avez l'endroit précis, voilà, quand ça a été pris, etc. Dans le Dakota du Nord, Dakota du Ah Nord. On va pas ouais. tous les Petite faire, hein, marotte. mais ah, vous avez des photos. Voilà, Ah, vous avez regarde, un joli il y a un petit gros, oiseau. voilà, c'est ce que je suis sûr, il y a un Ah, gros bah tu oiseau. vois, c'était fait pour Ouais, toi, voilà. Sandrine. Donc voilà, donc c'est comme l'Atlas. Donc ça, c'est une fois, vous avez la loupe pour chercher, vous avez les tags, les Toujours voyages marrant que aussi. les Enfin, maisons, vous on dirait avez. tous des saloons. On Ouais, dirait un voilà. truc, on dirait tous des saloons. Voilà, donc vous avez Moi, je fais plein de maison manières peinte. différentes de chercher ce que vous voulez. Ou vous pouvez juste vous balader et tomber un peu sur les choses Beaucoup de maisons sans qui vous étage, en fait. intéressent. C'est ça que j'aime bien sur ces petits Ah sites, c'est que l'outil de recherche est vraiment très divers et varié. Donc ça peut correspondre à plein de recherches. Donc c'est plutôt intéressant. Et ils prennent aussi, par exemple, des petits oui. panneaux d'échoppe, etc. Enfin, c'est vraiment. Je trouve que c'est intéressant de documenter ce genre de choses. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Ça faisait écho à ce que j'avais déjà partagé de l'Atlas des régions naturelles en France. Voilà, qui lui se concentre, ce qu'ils appellent les régions naturelles. Ce n'est pas les régions comme les départements, les régions qu'on a maintenant, mais les anciennes régions naturelles qui correspondent plus à la topographie. Voilà, si Ah, c'est ils ont un coupé courte par une paille. rivière, si c'est coupé. Comment? Ah, ils ont un courte paille.
Ouais, alors, j'éconne, c'est un truc qui ressemble à courte paille. Ça. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Si vous... Enfin, moi, c'était le seul projet que je veux présenter. Enfin, c'est toujours amusant un petit peu. Et je trouve ça intéressant également pour les personnes qui sont dans tout ce qui est le concept art et qui cherchent à se documenter, bah là, en tout cas pour les États-Unis, avoir eh bien, des maisons, des bâtiments qui sont assez typiques de certaines régions ou même des paysages. Bon, là, ça se concentre surtout sur les bâtiments, mais je pense qu'au fur et à mesure, ils vont incorporer d'autres datas. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi pour vous. Pour tout ce qui est concept art, voilà. Ok, voilà, tu vas dessiner plein de maisons, Sandrine. On attend. Exactement. On attend de voir un usage frénétique. Donc, exactement. En septembre, on va lancer d'ailleurs un concours qui s'appellera The House Painting Freaky Challenge of Sandrine. Et vous pourrez tout participer. Je déconne à moitié, on va voir. On sait jamais. Donc moi j'ai deux ressources dans ce cas. Donc j'ai d'abord tous les projets. Donc dernièrement j'ai fini Ghost of Tsushima, qui est un jeu vidéo Sony Interactive. Et en fait donc il y a un site que j'ai présenté qui est donc Creative Uncut, qui permet en fait de retrouver les galeries artistiques et concepts de beaucoup de jeux, de tous les jeux. Donc c'est fait par des passionnés. Et donc là voilà, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet, alors le site est un peu à l'ancienne. Mais ils vous mettent en avant, donc vous pouvez retrouver les concept art comme ça, pour voir comment ils ont travaillé, les chara-design, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et donc là, ils mettent à jour ça régulièrement, et donc je me suis dit, je vais partager celui de Tsushima, qui est plutôt, c'est très clean, puis très détaillé en fait. Et puis quand t'as joué au jeu et que tu retrouves les trucs, tu te dis, c'est concept art... très très varié, donc je vous laisserai regarder, c'est plutôt pas mal. Enfin, donc c'est un portrait, donc c'est une artiste qui s'appelle donc Mimi, donc qui est en Chine. Alors moi au début j'ai suivi sur Twitter parce qu'elle faisait toujours des petits tutos sur, alors, je sais pas comment appeler ça, ces trucs on dirait des méduses, enfin de faire des je sais pas comment ça s'appelle, c'est des coloriages très très ésotériques en fait. Moi j'aime bien, on dirait, c'est très très vif, voilà. Et en gros, sur Artstation, elle vous montre ce qu'elle fait, c'est plutôt balèze, je crois. Genre fait quoi. Enfin, un peu féerique, et puis c'est très, les couleurs, c'est quand même un boulot de malade. Onirique. Ouais, moi j'aime bien, parce que c'est quand même des trucs, vous voyez ici le niveau des détails sur... Et elle chôme pas. Là, j'aime bien les trucs comme ça. Tout est sur en fait des perspectives par la couleur en fait, avec les tons, les jeux de lumière. Donc, je me dis, il y en a qui sont. Elle lésine pas, hein, franchement. Ça, je me dis. Moi, c'est le genre de truc que j'aimais bien un peu. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et comme je dis, il y a toujours des ambiances au niveau des éclairages plutôt sympa. Et en gros, elle fait des concept art pour quelques jeux, etc. Mais voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et bizarrement, je me dis, c'est le genre de truc qui se prêterait très bien si les gens ils arrivent à comprendre la construction, à des sortes de sculptures en 3D ou même en résine. Je trouve que ça ferait des trucs très très vivants, quoi, très beaucoup de perspectives. Donc voilà, donc ça c'est mon artiste du moment que j'aime bien suivre. Fait des trucs un peu rigolos. Très remarque que c'est pas dark comme t'aimes bien. Non mais ça va, ça c'est manque, pas mal ça c'est, c'est vrai que non mais c'est vrai que ça serait très très bien en résine, ça je suis d'accord que, en fait, fait avec toutes les transparences en fait qu'il y a dans cette il y a des trucs à faire. J'ai vu qu'à un moment donné elle avait fait quelques trucs en 3D, mais je sais pas si sur Artstation. C'est ça que j'avais vu, elle fait des textures où elle explique comment elle fait. Et c'est quand même un travail de babache. Ça me casse la tête. Mais voilà, donc allez voir Wimi pour la soutenir et pour son travail. Et elle aime des trucs plutôt sympas aussi. Donc elle est dans les trucs abstraits et l'art par, comment on fait ça, bon, c'est pas l'intelligence artificielle, mais l'art un peu... elle est générée. Ouais, voilà, c'est des trucs un peu générés pour faire des... Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle s'en sert pour faire des éléments. Genre ici, pour faire des sortes de symétrie, mais c'est marrant parce qu'elle fait pas un truc purement symétrique et tout. Si elle commence et après, elle fait des trucs complètement pétés. Elle l'utilise comme base et elle repeint peut-être par-dessus. Clairement. Ouais. Bah là, tu vois qu'elle a dû faire une symétrie là et tout, puis elle repasse. Donc, moi, je trouve ça très joli. Donc, voilà.
Donc moi c'est tout pour les projets. Donc je vais continuer à faire. Donc la partie réseautage et rencontres, c'est pour vous dire. Donc là vous allez pouvoir retrouver donc sur LinkedIn. Si vous allez sur notre profil donc Hospiti, et là vous avez le lien de toute façon. Vous pouvez trouver les bilans des derniers événements, donc le vidéo drink de juillet. Vous avez ici un petit compte rendu, les profils des personnes qui y étaient, et également pour le Rigola Drink. Comme ça, bah, en fait, ça vous permet de voir bah, des personnes qui vous pouvez éventuellement réseauter. Donc, c'est sur la région lilloise, hein, les environs. Mais voilà, donc vous pouvez retrouver les détails des profils dans ce petit lien. Donc, réseautage et rencontre. Agenda, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à l'agenda à part moi? Non. Vous êtes terriblement indiscipliné. Non, alors figure-toi que le marché des jeux de société, je l'ai envoyé à Sandrine aujourd'hui. Donc, j'ai vu aussi. Ah ouais? Ah bah Sandrine est à la surprise. En fait, je pensais que c'était Sandrine qui l'avait mis dans le... Et non. Tu me l'as envoyé sur quelle plateforme? Sur Facebook. Ah bah voilà. En tout cas, alors est-ce que c'est pas une autre Sandrine? Est-ce que c'est pas Joseph? c'est pas la Sandrine de Paris? Alors du coup... le marché des jeux de société, je me suis dit, bah, justement, pour les gens qui font les ludo drink, donc les soirées de jeux de société, il y a un marché donc, dans le coin à Bradway qui permet en fait de d'échanger, d'acheter des jeux de société. Donc voilà, donc, c'est lundi 15. On parle d'innovation, je me dis que ça peut être l'occasion pour tous les fans de jeux. L'entrée est gratuite et vous pouvez aller découvrir des jeux, donc je me dis que ça peut être... ça peut être intéressant. Je sais pas si Sandrine, c'est le genre de truc. Si, c'est intéressant. Bah, je me dis, je le mettrai sûrement sur le groupe Ludodrink. Enfin, je partagerai du coup. Parce que c'est. Je sais pas, est-ce que c'est des. Ils précisent pas si c'est des jeux d'occasion ou des jeux de. Donc, le marché de société organisé par Bradway. Il y a Brad dedans, donc okay. Ça veut dire Bradé. Tous les événements sont sur l'événement Facebook, mais il n'y en a pas beaucoup. vous souhaitez exposer? Non, bah, il faudrait peut-être leur demander, mais je suppose qu'il va y avoir... C'est peut-être juste les maisons d'édition qui... Ouais, si ça s'appelle Bradway, je me dis qu'il peut quand même y avoir quelques jeux bradés, non? Non. Bah oui, c'est vrai. Ça paraît... Braderie, Braderie, c'est vrai. Ça paraît... Okay. Mais la braderie, c'est un nom de marque maintenant, c'est plus... c'est plus rien dire. Abdel nous demande, est-ce qu'il y a une sortie ciné, un film qu'on attend en termes d'événements Non, le ciné, c'est trop cher, moi je regarde même plus les sorties. Alors, malgré le fait que j'ai été de déception... Alors, s'il y a des fans de Star Wars actuellement, mais inconditionnels... Voilà. Actuellement, il y a la série Andor qui va sortir la fin août. Voilà. Je crois que je vais encore me faire arnaquer. Comme Boba Fett, Obi-Wan, ça m'a déçu lamentablement. Mais les images ont l'air sympas. Ça m'a rendu curieux malgré tout. Donc je me dis, c'est le seul truc qui attise peut-être un peu ma curiosité. Sinon, il y a Wayne qui nous a dit qu'il y avait One Piece qui allait sortir en film. Voilà, il y a quelqu'un qui a très dessus, donc il y a un film One Piece qui sort. Je sais pas, j'ai regardé vite fait d'ailleurs. One Piece. Il travaille dessus. Film, voilà. Ça, on a fait la promo. Alors, je crois qu'Abdel il aime bien One Piece. One Piece Red, je crois. C'est parfait. Donc voilà, Abdel, tu pourras aller te compromettre à aller regarder One Piece. Et toi, Abdel, est-ce qu'il y a une sortie ciné? Ouais. Vous avez dit clair, il est là, il pousse les gens au vice, mais. Alors, One Piece Red. C'est en 2023 qu'il va y avoir John Wick aussi. Ah oui, mais c'est... je vais aller voir 3000 ans d'attendre avec Tilda Washington. 3000 ans à t'attendre, ok. Connais pas. Non plus. Attends, on va jeter un œil. Hein. Ça sent la comédie romantique dépressive. Alors, 3 millions à t'attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film français? 3 millions à t'attendre. Alors, 24 août. Alita Bini, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde, comme tout le monde. Un jour, elle rencontre un génie. Ah ouais, non, c'est un truc fantastique. Trois vœux, c'est Aladdin revisité, quoi. Intéressant. Et c'est George Miller. George Miller, my god. Ah ouais,
je sais pas. Donc voilà, ok. Donc Abdel, bah moi je sais pas c'est quoi comme film. Donc bah voilà, avec Idriss Elba. Abdel dit que c'est fantastique et tordu comme il aime. Ah oui, bah ça, voilà. Donc après, bah il y a Idriss Elba et Tilda Swinton, donc je me dis qu'en soi, bon quoi que ça veut plus rien dire des fois, mais j'aime bien Idriss Elba et j'aime bien quand même Tilda Swinton. Donc après, c'est vrai que le cinéma, bah moi c'est pas l'ennui, c'est, enfin c'est pas les jours, je me fais chier souvent au cinéma, donc je sais pas, donc je prends plus le risque. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres événements en tête. Sinon, donc je rappelle nos événements à nous. J'étais en train de fermer d'ailleurs, donc je vais les rouvrir. Donc il y aura ce mois d'août, le 17 août, un Ludomeda, donc il y a une revue d'actualité en ligne. Donc c'est vrai, il faudra voir, parce que moi je serai peut-être à Bordeaux, donc je ferai peut-être, ça dépend de la connexion que j'aurai, mais tu devrais assumer peut-être cette édition comme une grande fille toute seule. voilà, donc c'est l'édition numéro 16. Alors pour ceux qui se demandent, c'est une émission qui permet d'échanger autour, de présenter en fait des loisirs en ligne autour de films, jeux vidéo, etc. avec une thématique. La thématique c'est pas... Ah bah c'est l'espionnage, pardon. Donc c'est l'espionnage. C'est l'espionnage, ouais. Donc au mois d'août, c'est si vous avez des films... des jeux vidéo, des livres, des jeux de société, des sports d'espionnage, pardon, des activités... Des recettes d'espionnage. Des recettes d'espionnage. Comment faire des filtres, je sais pas, les filtres d'amour, est-ce que ça compte, un truc, est-ce que ça existe? Non, plutôt comment mettre une caméra dans un ghetto, par exemple. Ah, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ça, Sandrine? Comment ça fait que tu connais des choses pareilles? Faire un gâteau caméra, tout simplement. Un gâteau caméra, ouais. Ah, ouais. Ah oui, un truc qui ressemble à une caméra. Donc du coup, la thématique sera l'espionnage. Ensuite, nous avons notre Rigola Drink, donc qui est du réseautage global. Si vous voulez faire des rencontres en petit moyen comité, on est entre 20 et 30 personnes, un peu plus s'il y en a qui viennent. Donc c'est au Way Hotel, c'est vers Riour, Square Morrison. Vous avez toutes les infos de toute façon sur notre page Eventbrite. Et donc ce sera 19h le 30 août. Et enfin, nous avons le Ludo Drink, donc avec son ring. Donc c'est des soirées réseautage autour des jeux de société. Vous pouvez venir avec vos jeux pour y jouer, encore une fois, avec un petit groupe de personnes. Cette fois, c'est au Boa Hotel, à proximité de la gare Lille-Flandre. Et donc, ça se passe le 31 août, 19h30. Voilà pour l'agenda et les événements. J'espère que vous avez bien noté. De toute façon, il y a des vidéos, donc vous pouvez faire un replay. Et donc voilà. Et je me suis dit, je me dis aussi que pour le Ludomeda, il y a toute une panoplie de cocktails au GHB qui pourrait. C'est ignoble. Je réfléchissais, tu vois. Censure. Non, mais ça c'est pas espionnage, c'est agression sexuelle et c'est une thématique qui n'abordera aucunement. Voilà. Pour ceux qui demandent, j'étais pas là, je ne connais aucune de ces personnes. Abdel, tu disais, tu avais vraiment. Là, on va muter tout le monde. Abdel, si tu veux bien faire la police. Non. Donc, pour terminer, nous avons ce qu'on appelle les moments un peu débat-discussion, avec différentes thématiques. Donc, elles sont dans l'ordre. Je vais faire je vais remettre comme ça et je vais partir de la fin vers le machin. Donc, Romarita, connaissez-vous les Tracans ou Workation, donc c'est les gens qui travaillent pour leurs vacances, super. Ensuite, on a Quand ça va bien, endurci les règles. Olivier Dussopt présente ses pistes pour l'assurance chômage. Ok, je ne sais pas qui c'est ce type. Face au gaspillage, faut-il supprimer les dates de péremption? Oui, ça c'est une. J'ai juste un sujet, c'est juste que j'ai mis trois articles sur le même sujet. Ah d'accord, et gaspillage alimentaire, un supermarché sur deux n'est toujours pas collecté quotidiennement. Et voilà, donc il y a une thématique autour du gaspillage et des idées autour de ça. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Et enfin, y a-t-il des bons lobbies? A-t-on encore envie de travailler? Et l'engouement pour le télétravail qui s'essouffle? Donc Abdel, tu peux voter à distance en mettant dans le chat les gens aussi, ceux qui seraient là. Je vois qu'il y a 3-4 spectateurs. Sur ta petite télécommande, tu vas taper 1, 2, 3. Donc, c'est vu de dire à peu près. Alors, est-ce que c'est autour des workation ou les tracances, l'assurance chômage, le gaspillage, les lobbies, l'envie de travailler et le télétravail? Alors, Abdel a dit, j'ai plus envie de travailler en 1. Oula. J'ai plus envie de travailler en 1 et en gaspillage en 2. Ah mais plus envie de travailler, le gaspillage. Ok, donc si on met, on va faire,
On va essayer de faire ça bien, bordel de merde. Donc, télétravail. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Comment on peut faire pour que les gens ils puissent finir par faire un tableau Excel ? Romaric, t'as envie de parler de quoi, du coup ? Le travail en général, mais en fait, je me dis qu'il y a pas mal de ressources qui pourraient, dont on pourrait parler en même temps, en fait. Ok, ça répond à moitié pas à ma question, donc c'est le travail. Lequel aussi, du coup, c'est sur, je sais pas, l'assurance chômage, le télétravail. Moi, je me disais, en fait, les traquances, le télétravail et puis l'envie de travailler, en fait, ça va ensemble pour moi. Ok, donc le travail, le gaspillage et les lobbies. Il y a les lobbies. Donc, moi, je suis sur le gaspillage et le lobby quand même. Parce que le lobby, je me dis, c'est une question, est-ce qu'il y a des bons lobbies, etc. Sandrine ? Moi, je serais sur les lobbies aussi. Et après, le gaspillage, je pense qu'on a deux... gaspillage, c'est ma ressource. J'ai pas le droit de voter pour ma ressource. Donc, Oui. Donc, Abdel, il a voté pour le gaspillage. Donc, le gaspillage, c'est sûr, on va en parler. Donc là, c'est Abdel, les gens, si vous devez choisir entre parler du travail en général ou des lobbies, qu'est-ce que ça se serait ? Ah, les lobbies. Donc, c'en est les lobbies, Abdel. Abdel et les secrets, les gens qui sont là en scrud. Dénoncez-vous ! Alors, monsieur Abdel Hakim, en fait, fait son d'être là, il est parti faire du lurk. Ouh ! Alors ! Va-t-il répondre ce... Ah, les lobbies aussi. Donc, lobby et gaspillage, et à mon avis, on verra si on ne peut pas être trahi. Alors, par lequel on commence, Sandrine, je vais te laisser prendre la main pour le fun de te voir. Alors, juste, est-ce que j'ai le droit à une pause toilette avant qu'on aborde les débats ? Votons. Est-ce que Sandrine a le droit à une pause toilette ? Alors, moi, je vote non. Du coup, moi, je vote oui. Voilà, 5 minutes. Je vais lancer. On le faisait 5-10 minutes de pause. Et on se retrouve dans 5 minutes. Où est-ce qu'il est, le 5 minutes ? Il est ici, le magnifique 5 minutes d'Abdel. Donc, on se retrouve dans 5 minutes donc, pour parler gaspillage et lobby. Et éventuellement, à mon avis, on débordera sur le... Peut-être on parle de travail indirectement. Voilà, à tout de suite. Ciao, ciao.
Oh, coucou tout le monde. Nous revoilà. Voilà. Et donc, dans cette partie, nous allons faire. C'est la partie discussion et débat. Donc, nous allons, pour ceux qui avaient qui étaient éloignés, discuter donc lobby et gaspillage. Par quoi on commence ? Sandrine, c'est toi qui as la main. Je vois que tu tripotes tes trucs. C'est apprendra. Et voilà, tu es dénoncé. Donc, commençons pour discuter gaspillage. Bah, vas-y, tu peux, je sais pas, introduire les. Voilà. Okay. C'est une news, une info qui est toute chaude d'aujourd'hui puisqu'elle date du 2022. Donc c'est une info de BFM TV. Face au gaspillage, faut-il supprimer les dates de péremption ? Pourquoi c'est que en fait en Grande-Bretagne, il y a une loi qui est passée où en gros les supermarchés britanniques vont devoir supprimer la mention, une mention de date de péremption, c'est-à-dire la mention best before, qui correspond à consommer de préférence avant la date indiquée. Donc, il faut savoir que pour les dates de péremption, il y a deux indications. Il y a l'indication à consommer de préférence avant et à consommer avant. Donc, c'est différent parce que de préférence avant, ça veut dire qu'il risque d'y avoir une altération du goût ou de la texture du produit, mais ça ne veut pas dire que le produit en lui-même est impropre à la consommation, à la différence de la mention à consommer avant, où là, évidemment, il faut consommer le produit avant la date indiquée, sinon on peut tomber malade et des risques d'intoxication. Voilà. Et donc, en Grande-Bretagne, ils ont décidé de retirer la mention à consommer de préférence avant afin de lutter contre le gaspillage alimentaire des particuliers qui jettent les produits une fois que la date de péremption est passée pour les produits notamment à consommer de préférence avant. Et donc, nous, en France, on a une loi qui est passée contre le gaspillage alimentaire qui date de 2016, qui interdit aux grandes surfaces de rendre impropre à la consommation les produits et de les jeter, même si la date de péremption est passée. Et on parle évidemment de ces produits-là qui peuvent être consommés bien après la date de péremption puisqu'ils ne sont pas impropres à la consommation. Donc là, l'article conclut sur qu'en France, peut-être ça va être amené, même si c'est encore assez timide, en fait, c'est pas des choses dont on parle vraiment, mais pourquoi pas importer cette mesure-là en France également. Je voulais mettre ça en parallèle, alors là il parle surtout du gaspillage alimentaire des particuliers, mais je voulais aussi mettre ça en parallèle avec le gaspillage alimentaire des grandes surfaces, puisque même si la loi est passée en 2016, il y a toujours, selon Novetic, un supermarché sur deux qui n'est pas collecté quotidiennement, parce qu'il faut savoir que les invendus alimentaires, ils sont donnés à des associations et ces associations normalement vont venir collecter quotidiennement les supermarchés sur leurs invendus. Alors un supermarché sur deux n'est pas collecté, ce qui est assez énorme. Dans l'article, il y a deux arguments qui sont avancés. Le premier étant que il n'y a pas assez d'associations et pas assez de personnes pour faire cette collecte quotidienne. Et le deuxième argument, c'est que les supermarchés sont contre-fiches. Voilà. Puisque, évidemment, ils ne font pas de gains dessus. Évidemment, ils s'en fichent un petit peu de donner ça aux associations. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, il y a encore beaucoup d'enseignes qui sont épinglées par la justice, notamment par les élus communaux, etc., parce qu'ils jettent des invendus, parfois avant la date de péremption, etc. Donc, c'est que je me dis que pourquoi pas importer ça, parce que c'est vrai que la plupart des consommateurs font pas trop la différence entre les deux mentions à consommer avant ou à consommer de. Mais je me dis que ça peut être aussi intéressant pour éviter que les grandes surfaces continuent de jeter, puisqu'il n'y aura plus de mention là, donc il n'y aura plus de date de péremption pour les produits qui peuvent être consommés un peu sans que ça soit toxique. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, Abdel, Romaric et Romuald, sur cette mesure-là. Est-ce que c'est une bonne idée, une fausse bonne idée ? Est-ce que c'est inutile ? Est-ce qu'on peut aller plus loin face au gaspillage alimentaire ? Voilà, je vous écoute. On a
tu m'as dit pourquoi il n'y a pas pourquoi il y a autant besoin de gérer en fait les invendus. Je comprends pas en fait pourquoi ils ont autant de bouffe et de trucs qui sont en surstockage en fait. C'est ça que je comprends pas. Ah, tu veux dire le fait qu'il y ait énormément d'invendus alimentaires? Je comprends pas je comprends pas pourquoi la grande distribution elle sait pas gérer ses stocks en fait d'un côté. Je me dis apparemment ils commandent 10 fois trop pour vendre la moitié de ce qu'ils ont en fait. En effet. Non, du coup c'est ça que je comprends pas. Alors ça, c'est pas que dans la grande distribution, c'est aussi un peu dans toutes les... parce qu'il n'y a pas que pour le gaspillage alimentaire qu'il y a des lois qui ont été faites. Là, en 2020, en début de cette année, il y a une loi qui interdit de jeter les invendus non alimentaires. Donc tout ce qui est les vêtements, les piles, l'électronique, etc. Et en gros, ces lois-là ont été faites de sorte à ce que justement les distributeurs et les producteurs produisent moins pour éviter qu'il y ait autant d'invendus. Voilà, à la base, ces lois ont été faites pour ça. Là, c'est un peu plus par rapport à cette mention de est-ce qu'il faut la retirer, est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie là-dessus en expliquant au consommateur qu'il peut toujours manger par exemple du fromage ou autre, même si la date est passée. Enfin, voilà. Après, non, moi je pense que c'est. Là, de ce que je lis, c'est qu'en fait, alors, avant les invendus, c'était. Avant leur industrie, c'était essentiellement alimentaire, ça a toujours existé, mais ça servait à nourrir les animaux. Donc ça allait, en fait. Donc les invendus, ils servaient à nourrir les animaux, faire de la pâtée pour chiens. Enfin, tu vois, il y a un truc qui faisait que ça marchait. C'était comme ça. Ouais, il y a de la surproduction, puis il y a une logique, de marché qui, en fait, quand tu dis leur stock, je pense qu'il y en a qui ont un abattre. Je veux dire. Si tu fais le focus sur un produit que les gens ils ont acheté tes bananes à la con de Nestlé ou je sais pas quoi et que t'as fait ton pognon en tant que distributeur, tu t'en as ciré en fait, t'as fait ton fric, c'est tout, c'est pour ça en fait. Donc là tu fais comme si d'une certaine façon, ils font attention à leur stock, mais les logiques d'enrichissement par la vente sans fin fait qu'en fait de toute façon... Non, moi c'était plutôt comment ça se fait qu'ils ont le droit, parce qu'en fait d'une certaine manière ça tu pourrais. Ah bah ils ont tous les droits. Bah là non mais pour le coup, Sandrine pose la question comment on pourrait aller plus loin. Moi je serais pour que quelqu'un puisse venir contrôler et que tu puisses pas avoir plus de j'en sais rien un certain pourcentage de gâchis tu vois dans tes stocks tu vois. Ce qu'il veut dire aller contre la logique du consumérisme, donc c'est ça en fait. Bah, tu vois là par exemple, je regardais tout à l'heure pendant que Sandrine elle parlait, je regardais apparemment, ils ont voté une loi en Espagne qui s'appelle la loi anti-gaspillage, machin, et pour les bars par exemple, alors ça c'est contre les bars, je sais pas pourquoi les bars, mais voilà, les bars, les restaurants ont une amende de 60 000 euros si jamais ils participent au gaspillage alimentaire. Voilà. T'es appliqué? Ah, ça, j'en sais rien. Elle vient d'être votée. Hein. Elle vient d'être votée. Oui, mais après, ils peuvent voter ce qu'ils veulent. Est-ce que ça s'applique concrètement et c'est des logiques de distribution. Enfin, c'est... Moi, j'avoue qu'en fait, je comprends qu'au niveau marketing, il y aurait un intérêt à ce que les gens soient... C'est comme les free moches, je sais pas quoi, qu'on arrive à revaloriser les produits autrement. C'est une porte d'entrée qui n'est pas idiote parce que bah, le marketing, ça fait un peu beaucoup de choses. Il y a vraiment l'idée, les gens savent plus ce que c'est qu'un vrai légume. Bon, tout le monde a vu le truc, les tranches de jambon, normalement, sont un peu marron puis, comme la viande. Et puis, en fait, on met des trucs pour que ce soit rose. Donc ça. Mais du coup, ce qui veut dire que c'est un peu vicieux parce qu'en fait, quand le jambon il devient marron, tu sais pas parce qu'il est vieux ou parce que c'est sa couleur naturelle qui revient. Enfin, bref. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où je me dis qu'il faudrait, de façon générale, réfléchir aux objectifs qu'on se donne et foncer des règles du jeu. En Espagne, le fait qu'ils s'en prennent aux restaurants et aux petits commerçants, je trouve ça con. Parce que je me dis qu'en général, c'est pas le... Bah oui, c'est pas le problème, mais... C'est pas le problème. comme quoi, quand tu... Non, mais parce que en fait, je suis d'accord là-dessus, c'est pas du tout aux bars et aux restaurants de casquer. Mais par contre, j'étais intéressé qu'une loi comme ça puisse... Alors,
comme tu dis, on ne sait pas si elle est appliquée, si elle sera appliquée parce qu'elle vient d'être votée. Mais je me dis qu'en soi, exactement comme un contrôle d'hygiène, tu pourrais avoir un contrôle. Tu vois, déjà, les restaurants, ils faisaient déjà les doggy bags, mais disons les grands trucs. Un, ils vont faire du chantage à l'emploi, à tout. Enfin, en fait. Moi, je parle pas des restaurants, mais je. Les grands groupes, tu vas leur chatouiller le bas du dos, ils vont faire du chantage à l'emploi, pousser des prix. Carlos Ghosn irait à la télé nous expliquer à quel point il est fouetté, maltraité. Mon Pierre Gattaz au National va me casser les pieds. Marine Schiappa nous fera un tableau pour nous expliquer à quel point les gens sont méchants et que les patrons sont persécutés. Donc tu vois, voilà. Donc, en fait, je pense que bizarrement, il faudrait. Là, en vrai, moi, je reste sur les citoyens. Je pense que oui, c'est vrai qu'il y aurait des moyens à mettre pour sensibiliser, là, pour le coup, à des habitudes alimentaires. Moi, je pensais à un truc qui est tout bête, c'est l'achat en gros. Tu achètes trop parce que c'est l'attraction du prix au kilo qui est mis dans ton cerveau, etc., où tu veux faire une bonne affaire et c'est plus fort que toi. Des fois, tu dis, j'ai pas envie d'acheter peu de trucs et perdre de l'argent. Et puis finalement, tu achètes trop et tu jettes, tu vois. Les formats XXL, les conneries, etc. Donc là, c'est le marketing et la communication qu'il faudrait changer, mais le marketing et la communication ne fait que répondre à un objectif global qui est le fric, le pognon, le fric, la thunasse, rien à foutre du fric, je veux mon pognon. Et donc, tant que ce sera comme ça, il faudrait qu'à un moment donné, réfléchir aux marges. Oui, je suis d'accord avec avoir des sanctions, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des inspecteurs. Je considère que tu peux à un moment avoir le différentiel entre les invendus et tout, on le sait. Et qu'en fait, si tu as trop d'invendus, tu devras faire des sanctions un peu plus élevées pour inciter. Mais qui est-ce que tu sanctionnes comment? Enfin, toujours pareil. Mais oui, sur les vêtements, c'est beaucoup plus absurde. Sur les vêtements, il ne devrait pas avoir d'invendus. Les vêtements, ils ont la vente de vêtements, les soldes, les déstockages. Ils ont mille et un moyens de normalement revendre les fringues. Pour les. Maintenant, c'est depuis le 1er janvier de cette année, c'est interdit de jeter et de détruire les invendus non alimentaires. Donc, ça comprend également les vêtements. Et parmi tous les invendus non alimentaires, le secteur qui y en a le plus, c'est bien le secteur de l'habillement. Donc, les vêtements et les chaussures. Là, oui, on l'a. Comme 20 minutes le souligne. Alors, il y a Abdel qui dit « Je ne vois pas ce que ça va changer si le consommateur vide les stocks des super et se retrouve à jeter une fois à la maison, ça revient à déplacer le problème tout en augmentant les ventes des supermarchés. » C'est pour ça qu'il y a l'idée dans cette loi de supprimer cette mention de date, de sorte à ce que même si le consommateur achète, comme il n'y a plus de date de péremption, en tout cas pour les produits qui ne le nécessitent pas, par exemple les pâtes, le riz, tout ça, ça éviterait justement ce gâchis alimentaire puisque tu pourrais le consommer. Après, comme les articles disent, c'est un peu du bon sens. C'est sûr que si ça sent mauvais et que tu as de la moisson dessus, bien sûr, tu ne le consommes pas. Est-ce que les gens te jettent autant que ça de produits frais? Je crois qu'ils en parlent. Ça représente 4,5 millions de tonnes d'aliments encore comestibles qui sont jetés par les ménages britanniques. Alors, c'est concentré sur la Grande-Bretagne, même à l'échelle de la Grande-Bretagne, 4,5 millions de tonnes d'aliments chaque année, c'est quand même assez énorme. Par les particuliers, donc. Ouais. Par les particuliers. Là, ils ne parlent que des particuliers, ils ne parlent pas des grandes enseignes, mais si tu fais des recherches, c'est assez... Le marketing, c'est vrai, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a tout un truc sur le produit frais. Effectivement, les gens peut-être achètent du frais. Alors moi, c'est vrai que c'est pas du tout mes habitudes alimentaires, en fait. Bizarrement, moi, j'achète surtout des trucs pour les garder et les stocker. Donc en fait, je sais pas. Mais c'est vrai que je me dis peut-être à cause de... Ça me fait marrer. Il y a une toile de fond qui est la surconsommation, qui est injecté dans le cerveau des gens. Je veux dire, même l'écolo bobo bien pensant, il va surconsommer ses vélos et ses conneries, en fait. Il va surconsommer la culture. On est dans ce truc-là où, là, on est avec le Covid, on a quand même réussi à être en surgaspillage, tellement on surproduit. Alors là, il n'y avait pas de consommation, mais il y a une surproduction d'un côté, une surconsommation qui appelle à la surproduction. C'est un cercle vicieux, en fait. Et tu vois, quand tu disais les produits frais, pas vendus, non, ce qui arrive des fois, c'est t'achètes des stocks.
de trucs, tomates, je sais pas quoi, et en fait, tu vas cuisiner, mais t'en as pas besoin, tu le laisses pourrir et tu le jettes. Tu vois ce que je veux dire, c'est les deux. Ah oui, c'est, les... oui, c'est comme tu disais, les achats en gros, enfin, ouais, genre les formats familiales. Et ouais, tout ça, voilà, ouais. Tu vas prendre un steak, tu vas acheter de la viande, tu vas en faire, puis t'as plus faim, tu vas jeter les trois cartons de place que ça a périmé et tout. Mm. Alors, ceux qui, bizarrement. Du coup, en France, là, dans l'article, ils disent en France, c'est près de 10 millions de tonnes de nourriture consommables qui sont gaspillées, soit l'équivalent de 150 kilos par habitant et par an. Ce qui représente un coût de 12 à 20 milliards d'euros par an qui partent à la poubelle. Voilà. Moi, là, si je reprends les trois points de Sandrine, c'est la date de péremption. Bon, en fait, bon, ils prennent un exemple parmi tant d'autres, mais avoir de l'incitation un peu maligne, etc., pourquoi pas, les gens, ils ont envie de faire bien, ça peut, en partie, peut-être faire une dynamique. Après, je ne sais pas, il faudrait voir combien, comment. Sur la collecte, bah, ça, c'est aussi un peu con. Je veux dire, qui est censé les collecter? Qui est censé collecter? Les magasins qui ont un affront, qui font bosser leurs employés comme des rats, comme des chiens dans des ordinateurs. Dans l'article de Novetti, qui parle que c'est notamment les associations qui sont censées mettre en place des collectes quotidiennes. Ouais. Mais là aussi, les supermarchés ne vont pas les chercher, en fait, ces associations. Donc, Après, normalement, c'est un faux problème. C'est, si tu fais reposer sur le dos des associations, c'est que tu ne veux pas le faire. Donc, en fait, c'est bidon. Ils n'ont rien à cirer, personne n'en a rien à foutre. Même les associations, elles devraient dire c'est du délire. Aucune association avec des bénévoles va te faire chier, aller chercher des déchets. Moi, j'aurais pas envie de le faire, en fait. Même pour tout, à un moment donné, ça suffit, quoi. Là, l'État, il est dans une contradiction totale. D'un côté, il va bip des lobbies à longueur de temps et des grosses boîtes en faisant tout ce qu'elle veut. Puis après, ils vont faire des petites lois bien pensantes, de vertu ostentatoire à deux balles, et qui va reposer sur des gens qui ont de facto pas les moyens, ni l'ambition, ni tout ce qu'on veut. Parfois, si, ils ont l'envie, et que ça reste en oh là là, c'est terrible, là, il faudrait. Donc voilà. Donc en fait, ils ont pas envie. Là, si, il faudrait regarder quels sont les moyens que les institutions ont mis pour permettre, j'en sais rien. Là, il y a plein de trucs qu'on pourrait imaginer. Il y a les poubelles. De toute façon, il faut aller voir une fois une épicerie solidaire pour comprendre ce que tu dis. Hein. Là, clairement, tu rentres là-dedans, tu te dis, mais c'est ni fait ni à faire. Et d'ailleurs, les produits sont pas du tout adaptés à l'alimentation des gens, d'ailleurs. Ça, du coup, comme la loi anti-gaspillage est volontairement floue, ça permet aussi à des startups de se lancer dans cette brèche. Et la plus connue, je pense, c'est Too Good To Go, qui permet d'aller pour 4 ou 7 euros. Ça permet de faire des parts de marché pour des petites entreprises et de faire encore des intermédiaires. Il y a une brasserie qui fait de la bière avec du pain rassis. Par exemple. Alors je sais pas, moi je me disais sur le papier ça avait l'air bien comme idée. Je sais pas si ça. Là c'est un problème en fait, ça existe, c'est tout est un business. Oh là là, les gens cravent de la canicule, business. Ouais. Les gens ils sont malades, business. Les gens sont business, tu vois. Et donc en fait à la fin, comme la logique du business c'est de penser qu'à sa gueule et de faire du fric, et t'as 2-3 entreprises éthiques et puis après c'est reparti pour un tour. Et la zone où c'est le bordel, ça va polluer autrement. C'est des gens qui vont foutre la merde, en gros. Là je me dis, il y a de la collecte de déchets. Il y a plein de services publics différents qui existent. Qu'est-ce qui empêcherait de mettre en place un service public Va dans ton sens, donc du coup je lis ce que dit Adèle. Pour les collectes, c'est juste du recyclage de produits comestibles, ça devrait être public. Par exemple, vous savez qu'il est interdit de jeter les PC d'entreprise, il faut les recycler. Alors tu vois, c'est marrant parce que là on était parti, ils disaient les télés. Alors là aussi c'est la vaste blague. Il y a Apple, parce que je les prends, Microsoft, ah là là, ils sortent les violons, plein d'autres. Bon, moi, ça commence à me saouler. Et en fait, les indices de réparabilité de leurs objets sont déconnants, tous sans exception. Je veux dire, alors là, il y a le OneFone, ça y est, c'est un business maintenant de faire un. Puis en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas aussi à voir hein, si les gens vont l'acheter, s'il est réparable que ça, parce que c'est pas évident, il faut avoir les compétences. Mais c'est du bidon en fait. Là, je me rends compte, les téléviseurs, etc. Moi, je sais que mon père, il bricole. Moi, je bricole pas mal d'électronique aussi en soi. J'avais mes enceintes là qui avaient lâché. J'avais regardé pour les réparer, mais c'est tout un bordel. Et à un moment donné, ça devient. Bon, pareil, je vois les gens, ils réparent les vélos. Les vélos, ça va. Les vélos, tu peux réparer un vélo sans trop dépenser d'argent, disons.
Mais ok, c'est super. Chacun répare son vêtement le coin. C'est le truc qu'on met souvent. Donc, je vais être méchant, c'est les bobos à vélo ou les vieux qui sont tranquilles, ils réparent leur vélo. C'est super, les gars. C'est... Mais c'est bien, hein, mais bon. Pour le reste, même si tu veux, tu peux pas réparer. Et c'est pas le but. Il y a des vidéos qui circulent, moi ça fait toujours marrer, un gars qui retrouve une Mega Drive à moitié défoncée, il la nettoie dans les pays souvent d'Asie, on monte ça, on aime bien, ça nous fait voilà, le gars il nettoie tout, il refait. C'est bien, mais ça fait un truc un peu exceptionnel, il faudrait que ce soit vraiment. On a eu ce débat, la nature produit pas de déchets en fait, normalement. C'est. Voilà, nous, on devrait apprendre à recomposer les choses, avoir du matériel, bah, du coup, non. Enfin, à un moment donné, il devrait avoir un cycle de vie. Même que ce soit la nourriture, les vêtements qui sortent de l'industrie. C'est-à-dire, à un moment donné, le produit a été industrialisé et ensuite, il devrait être redistribué dans d'autres circuits où là, les gens vont réparer, rassembler. Et là, tout de suite, tu rentres dans les logiques. Bah oui, mais réparer, rassembler, ça prend du temps et machin que le modèle socio-économique refuse. Il faut faire du fric le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut quand même un matériel de bonne qualité au départ. Parce ouais, que ouais. Sinon, et puis si tu as si de la merde à recycler, ça va te faire de la merde. Ouais, et du temps. Bah quoique hein, des fois en soi il y a même en industrie soit bon je prends l'exemple d'Apple on s'en fout s'ils font tout ça j'en ai un assiette d'Apple mais par exemple ils vont coller les cartes à puce de telle façon c'est fait pour emmerder le monde ou sinon après il te faut des vis spéciales bon tout est fait pour te ils veulent Apple ça a pas de sens t'achètes un téléphone à 1300 balles pourquoi il y a un nouveau modèle pourquoi il y a un nouveau modèle. Les gens vont dire, oui, mais il faut bien qu'Apple fait son fric. Bah, je sais pas. Est-ce que Apple est compatible avec l'humanité? Voilà. Est-ce que Apple est compatible? Pourquoi Apple a le droit de décréter que ton portable n'est plus compatible avec ses mises à jour, par exemple? Oui, mais même si le fait d'être dans. Là, je parle même pas ça, c'est la logique. Non, mais par exemple. Chez les gens à consommation. Donc, peut-être. Alors, plus pareil, là, on comprend qu'ils sont enfermés dans un modèle. Déjà, ils ont plein de trucs, mais ils sont enfermés dans un modèle de créer toujours des nouveaux produits, des nouveaux produits, des nouveaux produits, des nouveaux produits. Là, ce qui est marrant, c'est que justement, l'alimentation. L'énergie, normalement, c'est des choses que tu consommes au quotidien. Et on dirait que tout le monde veut être, la tomate de tout. Tu vois, c'est, voilà, une souris, c'est une tomate, un clavier, c'est une tomate, un ordinateur, c'est une tomate. Dépenser 1300 balles et tous les ans, il y a un nouveau modèle, ça n'a plus de sens. Je ne sais pas, ils devraient fournir du service. Moi, je me dis, ça me dérangeait presque au moins d'être abonné à un iOS ou un truc, j'en sais rien, quelque chose où, OK, ils vont pouvoir avoir un business model qui permettrait de gérer l'usage et la consommation, mais qui ne soit pas, justement, sur la consommation d'un nouveau produit. Là, on est, quelle que soit l'industrie, le produit long et durable n'est pas très compatible avec notre système économique, sauf ce qu'il est par défaut. Je veux dire, une maison, un truc que de toute façon, tu peux pas en faire un bien, de consommation directe. Donc, c'est le genre de truc où je me dis, il doit y avoir un tas de solutions, mais c'est le changer le système de l'intérieur, donc ça me paraît. Faut une rupture quelque part. Faudrait une rupture quelque part. Dans un secteur. Là, on parle des vêtements, mais tu vois, les vêtements, on les produit même pas chez nous. On les produit au Bangladesh, en Chine. Cash Investigation, ils ont fait tout. Cash Investigation, il faudrait qu'on les mette dans les liens autour de ça, sur le gaspillage qu'il y a eu, Toxic Fringue, il y a eu sur les gaspillages alimentaires. Et ça explique les tenants du truc. Et on voit que, je le dis, nos députés, c'est des gros puants débiles. C'est tous ces gens, apparemment, qui veulent à tout prix que ça s'arrange et je sais pas, ils n'y arrivent jamais. Tout le monde est motivé pour que ça aille mieux, mais rien ne marche et c'est souvent la faute du consommateur qui n'aurait pas fait assez souci. Voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. On pourrait enchaîner sur les lobbies, parce que je me dis, c'est vrai que c'est la même discussion. Je pense de toute façon qu'on a fait le tour. Ouais, je sais pas, Abdel, si tu as des choses à rajouter en soi. Les gens dans le chat, là, je vois qu'il y a des gens qui sont venus regarder. Dénoncez-vous ceux qui sont en lurk. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Voilà. En tout cas, c'est un sujet intéressant. Si vous voulez continuer à discuter en commentaire, n'hésitez pas, pas de soucis. En chat, voilà. Etc. On va passer sur l'autre sujet. Voilà. Moi, je vous propose de passer du coup sur le sujet des lobbies qui en soi qui est lié. J'ai écouté ça. Donc c'est le débat du mardi 2 août. Donc c'était ce matin. J'ai écouté ça un peu en diagonale. Ou ce midi, je sais plus à quelle heure c'était. Et du coup, c'est le débat sur les lobbies.
Est-ce qu'il y a des bons lobbies? Qu'est-ce que c'est le lobby? Donc, relativement, c'est France Inter, ils posent le débat, bon, moi, ça sert à ça. Donc voilà, souvent critiqué pour les mélanges de genre entre politique et intérêt économique, les lobbies peuvent également servir des causes environnementales et bien d'autres, blablabla. Alors moi, pour la petite histoire, je suis sur un projet où, avec un ami, on veut faire du lobby citoyen autour, justement, de la relation avec les députés, etc. Donc, forcément, c'est le sujet me parlait. Et donc, la question qui se pose, c'est les relations ambiguës entre les ONG, les associations, les scientifiques. Là, c'est les révélations des deals secrets avec Macron. Ouais, voilà, n'en parlons même pas. Les PDV. Et donc là, ils expliquent les que... Uber Files pour les gens quand même. Uber Files. Donc, on découvre que notre ministre à l'époque, Macron, notre président, est un sacré filou, disons ça comme ça, et que, voilà, bref, restons polis, disons. Quoique, restons pas polis, c'est un connard, voilà, hop. Et non, ça va, moi, c'est même pas idéologique, c'est qu'à un moment donné, le gars entre Black Reiter et tout, le type, il a aucune fidélité à son putain de pays, il a rien à foutre. Il y a des gens qui sont justement, je sais plus ce qu'il disait, ouais, faut parler à la société civile, faire du dialogue social. Et en fait, je sais pas, il se foutait de la gueule de tout le monde pendant qu'il magouillait, je ne sais pas quoi derrière. Moi, je serais même un macroniste, entre guillemets, convaincu, ce qui n'est pas le cas. Je lui dis, je serais dégoûté. Je veux dire, si tu crois à tes conneries, bah, tu sais pas, je sais pas, j'aurais un chef de file comme ça, je dirais, bah, non, mais c'est pas normal, mais bon. En tout cas, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, donc vous savez, quand un truc s'appelle comme ça, que généralement c'est bidon, mais voilà. La loi Sapin oblige à déclarer les conflits d'intérêts. Et on peut appeler lobby le travail d'une association environnementale, comme on évoque le lobby des chasseurs. Voilà, c'est à Bruxelles qu'on trouve la plus grande concentration de lobby en Europe, donc c'est quasiment que ça. Devant le siège de l'Union européenne, sur place, c'est la Vegas des agents d'influence qui se croisent, etc., etc. Mais est-ce que ces groupes de pression sont vertueux pour la démocratie, blablabla. Donc les invités, c'était intéressant. Donc il y a Transparency International, un journaliste spécialisé, le cabinet Tadeo. Bon, c'était un peu du genre le gars, donc Aristide Luno, il était, de toute façon, je vous le montre juste pour rire. Brave gars, hein, mais en soi. Le type, il venait défendre son steak, c'était assez drôle. Ah bah oui, les lobbies, écoutez, écoutez, il faut des lobbies parce que le gars il sert. Mais il a le mérite d'être, je sais pas, c'est au moins il est pur quoi. Tu sais que il est là pour défendre son steak. Bon après il parlait qu'il fallait qu'il y ait des limites et machin, mais comment qu'on fait? Et donc voilà, c'est un peu les bases du débat. Je sais pas vous déjà en général, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas compris la question. Non, c'est est-ce que la question c'est y a-t-il des bons lobbies? Est-ce que le lobby est-il pris en soi ou est-ce que le lobbying ça peut être positif? Voilà, à quoi pourrait servir le lobby? Et puis ça sous-tend la question, c'est le rôle des lobbies dans la société et l'influence qu'ils ont d'une certaine façon de court-circuiter le débat démocratique, l'action démocratique, etc. Voilà. Vas-y, Sandrine, s'il te plaît. Voilà. Vas-y. Je sais pas, moi, de base, le lobby, ça a toujours été quelque chose de négatif, parce que quand on parle des lobbies, c'est toujours les grosses entreprises, le MEDEF, etc., qui font pression sur les élus pour faire passer des lois dans leurs intérêts ou quoi. Et c'est vrai que de se dire, est-ce qu'il y a des bons lobbies, ça paraît, enfin, du coup... difficilement imaginable parce que bon, enfin à part oui dans le cas peut-être de lobby citoyen ou quoi, les lobbies en général ils défendent leurs propres intérêts et c'est souvent des gros groupes en fait, c'est rarement dans l'intérêt des de la population ou des minorités ou autre chose et ils essayent d'influer aussi sur la politique générale. Alors que tu te dis que de base, les élus sont censés nous représenter et nos intérêts à nous et qu'ils se fassent lobéiser le cerveau, c'est quand même dérangeant, quoi. Bah, c'est ouais, mais c'est un peu le cœur de la question. Je sais pas, Romaric, du coup. C'est intéressant parce que du coup, ça fait le lien avec le gaspillage de tout à l'heure. Parce qu'il y a un lobby de l'écologie. Donc, on pourrait se dire que c'est quelque chose de positif, etc. Moi, je pense que la bonne question, c'est est-ce qu'il y a un bon lobby efficace? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lobbies qui se donnent les moyens de ses ambitions. Et effectivement, malheureusement, quand on voit justement un cache-investigation, je crois que c'est un de mes préférés, c'est celui sur Marlboro,
parce que vraiment, le lobby de Marlboro, c'est une organisation incroyable. Oui. Ils ont des fiches sur absolument tout le monde, mais tout le monde. Et le plus petit détail de la vie de quelqu'un, il exploite jusqu'à la mort. Tu vois. Et du coup, c'est vrai que quand on voit ça et quand on voit comment le lobby de l'écologie s'organise depuis toujours, il faut bien avouer que quand même, alors soit en fait ils vendent pas de l'écologie mais de la morale, soit en fait c'est ce qu'on appelle des canards boiteux, tu vois. Moi j'ai mon avis sur la question. C'est je pense qu'en fait il y a certains lobbies qui se disent qui se présentent avec de bonnes valeurs, mais qui en fait vendent en fait de ce que j'appellerais de la bien-pensance et de la vertu ostentatoire. Voilà. Mais du coup, ça signifie qu'en fait, est-ce qu'il existe un bon lobby ? Ben, il pourrait en exister. C'est simplement qu'il y en a qui sont soit... Alors, le pire, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont de bonne foi, mais nuls. Donc, il y en a des nuls, il y a des arnaqueurs, et il y a des vrais méchants qui, en général, voilà, c'est Marlboro, voilà. Pour le coup, ils sont purs aussi. Je lis juste avant qu'on aille plus loin ce que dit Abdel. Tout ce que je sais, c'est que le lobby peut exister tant qu'il ne passe pas la porte d'un parlement, pas d'amendement préécrit. Voilà, c'est juste pour alimenter ce que vous allez répondre. Vas-y, Sandrine, du coup. Non, mais en fait, je disais juste, quand on parle de lobby, enfin, quand on pense à lobby, comme je disais, on pense surtout aux grosses entreprises, quoi. Oui, mais attends, non, parce qu'il y a des associations, par exemple, qui ne sont pas des petites associations, tu vois. Et à un moment donné, elles ont une capacité. Parce que la question, c'est quels sont les moyens d'action d'un lobby ? Quels sont les moyens d'action d'un lobby ? Menace... la pression, le chantage, globalement, c'est ça, quoi. Le rapport de force sous toutes ses formes, légales ou illégales, voilà. À un moment donné, y a des associations, je suis désolé, qui sont capables... Alors là, Marlboro, ce qu'ils ont fait, c'est illégal, dans le cash investigation. Mais par contre, il y a, j'en sais rien, c'est du rapport de pouvoir. Le rapport de pouvoir, c'est un rapport, ça peut être médiatique, ça peut être politique. Là, Abdel parle des amendements. Moi, je me dis, si c'était des amendements dans notre sens, peut-être que tu dirais pas la même chose, tu vois. D'une certaine manière. Là, tu dis un truc qui est trop drôle. À la base, le lobby, entre guillemets, citoyen existe, ça s'appelle normalement la démocratie, où les gens sont censés voter et faire respecter leurs orientations. Alors, c'est la question. C'est un lobby. Oui, les partis sont des lobbies aussi, ouais. C'est censé être... la politique. Le problème, c'est quoi ? Quand tu dis les associations sont nulles, en fait, vraiment, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, il y a aussi des associations qui vendent des trucs. Qu'est-ce que c'est que le vrai lobbying ? C'est de l'argent, de l'influence et de l'accès. Si on est un peu pragmatique, les lobbies des grosses boîtes, c'est des gens qui vivent dans l'entre-soi. Ils ont placé leurs propres parlementaires par le jeu de truchement des institutions corrompues. Ils contrôlent les médias qui disent ce qu'ils veulent. Ils contrôlent les juristes qui sont corrompus jusqu'à la moelle, mais qui font semblant que non. Et je suis désolé, sans doute, les croisances majorités, je leur dis, soit ils sont corrompus, soit c'est des lâches, soit des bons à rien. C'est pareil pour les médias. Mais donc, du coup, il y a un rapport de force complètement déséquilibré, parce que justement, on laisse... tu ne peux pas lutter contre l'influence de l'argent. T'es Marlboro, t'as plein de pognon, tu vas mettre de l'argent pour, disons que si toi, t'es un opposant, pour te pourrir la vie. Et t'as de quoi de mettre des gens pour te pourrir la vie de plein de personnes. Donc toi, disons, tu vas renoncer à agir. Tu vas aller voir un scientifique complètement merdeux qui est en train de faire son connard, une sorte de Raoult, je sais pas quoi, il est en train de faire un doctorat débile sur de la recherche à deux balles, et tu vas lui donner du fric pour qu'il puisse se faire sa piscine dans son jardin et acheter un yacht ou des conneries comme ça. Et donc voilà. Donc en fait, moi, je me dis souvent, quand on parle des lobbies, on en vient forcément à parler de la corruption, de la collusion, et de tout ce qui est trafic d'influence et compagnie en vrai. Donc c'est plus vraiment du lobbying, c'est du trafic d'influence. Et le fait qu'en fait, il faut en fait faire en sorte de limiter l'argent en politique. Moi, je serais presque à dire que quand il y a des gens qui sont dans des sphères de pouvoir, c'est pas qu'il faut avoir une transparence. Il faut avoir un contrôle de leurs actions quasiment. Déjà, il faut leur donner moins de moyens. Il faut avoir un contrôle de leur action. Justement, les grosses indemnités des élus ne sont pas là pour éviter
ces problèmes de lobbying. Non. C'est comme ça qu'ils défendent leurs indemnités hors sol. Alors, ce qui est bien, il faut tout de suite aller aux États-Unis parce que ça permet d'être clair. Actuellement, il y a Cinéma, je ne sais plus comment il s'appelle ce connard. C'est l'autre Joe, il y a Joe Biden et Joe Manchin, qui est en fait un type qui est dans le Parti démocrate et qui est corrompu jusqu'au trognon, il faut le dire, hein, qui a des actions dans le lobby pétrolier, clairement. Et donc le gars, en fait, c'est un vendu. Quelqu'un comme ça, c'est ce qui manque partout. Il devrait pouvoir avoir une action citoyenne de mettre en avant ce qui poserait problème pour pouvoir le destituer, en fait. C'est tout. Dire, après tout, que les gens payent pour, je sais pas, parce que c'est très difficile à prouver ce genre de corruption, mais les gens diraient, écoute, on considère que c'est pas éthique, ou on décide pour X raisons. Je me dis qu'en fait, ce qu'il faudrait pour empêcher que les lobbies s'installent, c'est que d'une façon, ils ne puissent pas avoir de rapport régulier avec les parlementaires, donc soit qu'ils n'y aient pas accès, soit qu'à un moment donné, les parlementaires, pas qu'ils changent de billet tout le temps, mais qu'ils remettent presque en jeu leur mandat régulièrement pour que, tu vois, ça les... C'est oui, mais qu'en se pense le peuple que tu viens d'entuber ? Parce que le gars, une fois qu'il est là pour 5 ans, tu vois, il te fait hop, voilà. Et donc voilà. Donc, moi, alors qu'il n'ait pas accès à une personne en particulier ou plutôt à des commissions. Ouais, exactement. À plusieurs personnes, commissions publiques, etc. Ouais. Repartir le pouvoir. Il y a aussi DataGueule qui avait fait ça sur le sujet, donc je l'ai mis. Donc DataGueule, c'est la télé publique quand même. Je crois qu'ils font plus d'émissions depuis un moment. Et donc là, en fait, ils t'expliquent avec des petits schémas assez flippants d'ailleurs. Les 500 millions c'est 400 000 carrés de vie, plus de 500 millions d'habitants issus des 28 États en Europe, en fait. Donc c'est vraiment les fonctionnaires et comment ça fonctionne, quoi. Le parlementaire, le lobbyiste, l'expertise, la décision. Donc ça tourne en rond. Et le citoyen, c'est vrai que là-dedans, il n'y est pas du tout. Et nous, on se... Voilà. Et donc, ça devient ça, en fait. Voilà, il explique bien. Et nous, en fait, on se retrouve... un décideur politique et une industrie qui marche main dans la main. Et ça date d'un moment... Donc, Étienne Davillon, vice-président de la Commission européenne, qui avait dit... une saloperie, d'ailleurs, ils le disent bien. Qui suggéra au patron de Volvo l'idée de créer un consortium des grands dirigeants. Donc, c'est carrément un parlementaire qui a dit, qui a suggéré au patron de faire du lobbying, quoi. C'est là que tu sais que ces gens sont corrompus jusqu'à la moelle. Moi, je le dis comme ça. Les politiques, en soi, il y en a peut-être une minorité qui font leur job. Les autres sont soit cons, soit en fait, il y en a beaucoup trop de corrompus. Tu vois. En fait, c'est ça leur métier. En fait, je ne dirais même pas qu'ils sont corrompus. Dans une démocratie qui fonctionne mal, le rôle d'un sénateur, le rôle d'un député, c'est d'aider les puissants à s'en sortir le mieux, tout en maintenant l'illusion... une pseudo-démocratie, parce qu'ils savent que c'est bien. Sinon, c'est un régime totalitaire, en fait. Mais de toute façon, c'est comme je crois que le traité de Rome, par exemple, c'est celui qui a fondé plus ou moins l'Union européenne. C'est un traité. En fait, à la base, c'était un livre blanc de la table ronde des entrepreneurs européens. Enfin, c'est. Mm-hmm. Là, ils expliquent aussi comment ça fonctionne. C'est que, en fait, comme tu. C'est ce qui s'est passé avec notre cher président Macron, avec BlackRock. Le gars, plutôt que de se reposer sur ses fonctionnaires de son propre pays, il va externaliser avec une expertise auprès de gens qui sont eux-mêmes, qui ont des intérêts. Et il va les écouter. McKinsey, je pense que tu parles. Oui, il y a McKinsey, puis il y avait BlackRock aussi, pour un autre truc. Je sais plus d'ailleurs, je vais vérifier, parce que c'était. Ouais. McKinsey, c'était lui, BlackRock. C'était la retraite. McKinsey, c'est je sais plus quoi, non. C'est l'affaire BlackRock la plus. Ouais, mais pourquoi pas parce que j'ai d'autres McKinsey, affaires. McKinsey, c'était pour le Covid. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a BlackRock et McKinsey. Si les gens ils sont intéressés, c'est BlackRock qui. BlackRock, c'est un méchant de film Marvel. C'est vraiment, ils sont méga influençants. Voilà, mais pourquoi BlackRock est. C'est un think tank en plus. Ouais, c'est des malades. BlackRock, c'est nébuleux, je sais plus. Donc, il y a DataGueule qui en parle, je crois. Il y a TYT qui est une chaîne anglaise qui t'explique que c'est des méchants on dirait des méchants de films, qui contrôlent tout. Ils achètent là, en ce moment, aux États-Unis, ils ont fait des trucs pour acheter des villes par spéculation pour expulser les gens puis leur vendre les maisons. Enfin, c'est des malades. C'est une firme. Oui, mais ça a été vu aussi sur le forum de l'économie, justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriété, mais que ça soit que des services, et du coup de vendre en fait, de te faire louer tous tes biens en fait, jusqu'à tes vêtements.
Ouais, là, ils expliquent aussi la chaise musicale. Hein. Un ancien parlementaire devient un lobby d'un truc privé qui devient un ancien parlementaire. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de ridicule. Et alors, moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est de voir quasiment les membres de tous les partis qui, plutôt de se dire, mais c'est la merde, faut qu'on nettoie les écuries d'osage, qui sont là en temps, pas tout. C'est vraiment, tu leur dis, il y a un problème de sexisme, pas tous les hommes, il y a un problème de racisme, pas tous les blancs. Mais personne n'a dit ça, on s'en fout de tout le monde. Et voilà. Et ça dure depuis, moi, depuis que je suis né, en fait. Hein. Tu te rends compte que aussi, les ministres, les Fabius, les machins, ils sont toujours dans des trucs, en fait. Donc voilà. Mais en fait, moi c'est juste que je me dis, ils ont besoin quand même d'avoir des retours d'experts. Et le problème, c'est que c'est les lobbyistes qui passent pour les experts, en fait. Ah non, mais non, ils ont besoin d'avoir des retours d'experts parce qu'on les autorise à ne pas se Non, mais c'est parce que je réfléchis à ta proposition de dire ils doivent pas avoir de contact, machin. Le problème, c'est qu'ils ont quand même besoin d'avoir des retours de gens, tu vois, même en soi, enfin, j'en sais rien, même les gens, enfin, même les gens, c'est du lobbying parce qu'ils donnent un point de vue sur les trucs et ils Mais disent non, mais moi, je après, il y a pourrais des faire ci, faire ça, experts. tu vois. Si tu as des Je pense qu'il experts y a des experts indépendants. qui sont en dehors des Voilà. sphères privées, universitaires, de Ou, chercheurs, bon, voilà, c'est leur exactement. Ouais, mais donc, du coup, tu dis, sujet, en fait, il quoi. faudrait interdire le lobbying alors. Non, c'est qu'en fait, c'est le lobbying doit être limité à un certain périmètre. C'est-à-dire, moi, je considère que tu as le droit de faire valoir tes intérêts, quels qu'ils soient, économiques, citoyens. Après tout, même Pierre Gattaz est un citoyen de la France, quoi que de France demande. Donc voilà, il fait faire valoir ses intérêts. Il va utiliser son argent. Ça lui donne un pouvoir déséquilibré. Donc ça, il faut le rééquilibrer en disant que la personne, on doit limiter le pouvoir de l'argent pour pas que le gars puisse. Tu vois, aux États-Unis, il y a Bloomberg qui va carrément se présenter pour foutre la merde et pour pouvoir utiliser que son argent à contrer un candidat et à faire de la publicité mensongère. Il s'en fout parce que les Allemands, il est tellement riche que même les amendes qu'on lui met, ils lui font rien. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ça devrait pas être une question d'amende. Quand il y a des gens qui sont pétés de thunes. Google, par exemple, tu lui mets des amendes, ils sont tellement pété de thunes que c'est comme si tu t'avais une amende de 2 euros pour avoir commis quelque chose de très grave. Tu t'en foutrais, tu vois. Tu les mets en taule, tu les prives de leur liberté ou quelque chose comme ça. Là, d'un coup, ils s'en foutent d'être millionnaires, tu vois. T'es millionnaire sur ton compte en banque, t'es entre quatre murs, tu te calmes quand même, tu vois. Et je dis ça, Puis hein, des même, fois. tu pourrais même avoir plus avec une interdiction d'exercer un Ouais, tu métier en pourrais y fait. aller grave, tu pourrais y aller grave, faire des trucs qui attaquent les personnes. Ouais. En fait, là, c'est les sociétés anonymes, les gens se plaquent derrière leur société, et puis eux, personnellement, on sait tous que ces escrocs, Elon Musk, c'est un menteur, un tricheur, un voleur, en vrai, et il est là à passer, je sais pas quoi, et servir de son argent pour l'influence. Mais imagine des fonctionnaires. Normalement, ils sont payés pour représenter les intérêts de l'État qui peuvent être divers, ceux qui. Au moins, ça reste les sensibilités politiques des gens. Là, et pareil, là, ça sort non seulement du contrôle, on va dire, citoyen collectif, mais en plus. C'est des gens qui servent des intérêts propres. Tu as des trucs indépendants, tu as des experts, certes, ils ont l'idéologie, tout ce que tu veux. Ils peuvent être biaisés, c'est pas la question. Mais là, c'est carrément Coca-Cola qui va écrire les trucs sur l'effet du sucre, parce qu'il y a un truc qui essaye de limiter leur business. C'est Marlboro qui va complètement gangréner le milieu de la santé, etc. Les médecins, des fois de bonne foi, qui sont faits manipuler d'une manipulation, d'une manipulation, d'une manipulation, parce que c'est la chasse ouverte. Donc, moi, en vrai, je considère qu'il faut. Dans le monde aujourd'hui, il faut repenser la question du lobby citoyen. Donc pour moi, le vrai lobby citoyen, c'est redonner un rôle aux fonctionnaires, savoir qui fait quoi, avoir, parce que nous, on est occupés à travailler, donc voilà, savoir qui fait quoi, les obliger à faire des rapports dans un format, je sais pas, moi je considère que Cache Investigation, ou les rapports qu'ils font en data gueule, ça devrait être dans tous les domaines. Les institutions devraient faire des rapports de ce qu'ils font, etc. Et on devrait avoir des moyens de pouvoir régulièrement. De jeter un œil, dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, on veut qu'on nous explique. Parce que les excuses qu'on nous donne, c'est ah non, ça va aller vite, je sais pas quoi alors. Et puis tu vois que dans des autres cas, c'est ah non, on va mettre du temps à faire des lois pour donner des droits aux gens. C'est pour ça que moi, la question m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des bons lobbies? Le fait de faire du lobby, après, c'est une question de culture. Dans des pays anglo-saxons, etc., l'idée de faire valoir tes intérêts, c'est pas mal. Moi, ce qui me plaît dans l'idée d'un lobby citoyen, c'est que les gens ils commencent à se réoccuper de leurs affaires, qu'ils arrêtent de déléguer leur pouvoir à un député. Enfin, là, c'est la vie de faire confiance à des types malhonnêtes où on est toujours déçu et après faire moins moins systématiquement. Au moins, quand tu te plantes en faisant ton lobby, c'est toi qui te plantes, tu vois? Et puis, tu peux t'associer avec d'autres lobbies. Là, je vois le lobby de l'écologie. C'est pas qu'ils sont nuls, hein, c'est que ils se font défoncer. Quand tu vois que ça fait longtemps qu'il y a les questions sur l'écologie, la préservation, le GIEC et tout.
puis on en fait de la bien-pensance, et puis on fait du greenwashing, et puis, puis on a quand même des gens qui sont dans des thématiques du genre quand c'est oui, c'est non, en même temps, penser printemps, mais en fait, oui, mais ta gueule, enfin, tu vois, et qu'en soi, on ne peut pas juste dire stop, tu vois, on ne peut pas juste dire écoute, mec, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais on va arrêter de. Voilà. Moi, je prends des exemples. Aux États-Unis, le lobby des armes à feu, c'est terrible. Tu vois que les gens qui sont massacrés, il y a un nombre de morts, rien, tu peux rien faire. Et on sait qu'il y a une majorité de gens, en vrai, quand tu réfléchis, s'il y avait moyen de faire les choses correctement, qui seraient pas contre l'interdiction, qui seraient pas pour l'interdiction des armes à feu, mais du genre du contrôle, enfin quelque chose de viable. Mais tellement l'argent pourrit tout. Voilà. Nous en France, je dirais qu'on a, je pense pas qu'on a moins de problèmes d'argent que de népotisme. Nous, c'est, c'est les gens qui murmuraient à l'oreille des puissants. Là, Abdel nous dit le registre commun à la Commission et au Parlement compte à ce jour environ 11 800 organisations déclarées comme représentantes d'intérêts. Voilà. Et c'est attention. En 2019, dans le journal de Monde. Ouais. Et dans DataGuy, ils expliquent que c'est les lobbies eux-mêmes qui doivent s'auto-déclarer. T'sais. C'est eux qui viennent dire. Et sur, je sais plus si vous rappelez. Bonjour, on est les méchants. Voilà. Et en plus, je sais plus si vous rappelez les chiffres. Donc là, c'est 11 000 sur. C'est même pas la moitié. Voilà. Voilà, sur les 30 000 lobbyistes. Donc il y en a un petit tiers. Et sans doute, c'est ceux qui, de toute façon, qui sont des trucs dont tout le monde se tape. Tu vois. C'est pour ça qu'ils le font. C'est peut-être même de la vertu ostentatoire. Tu vois. C'est pour dire, bah, nous, voilà, on est le. Tu vois, il n'y a pas de lobby des éleveurs de chevaux, vraiment. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux avoir des groupements d'intérêt, tu peux avoir des corporations, en fait. Alors moi, je distingue les corporations et le lobby. Comme je dis, défendre les intérêts de ton business ne me dérange pas en soi. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux. C'est. Défendre les intérêts d'un business dans un modèle économique qui t'interdit entre guillemets toute alternative tout en faisant des règles pour empêcher d'être délogé puis se donnant les moyens d'avoir plus d'argent qu'ils en ont déjà et qu'ils soustraient à d'autres, tu te fais déposséder de tout pouvoir. T'as plus de pouvoir économique, t'as plus de pouvoir judiciaire, t'as plus de pouvoir médiatique, t'as plus de pouvoir démocratique, t'as plus de pouvoir citoyen, t'as plus de pouvoir. Alors tu t'es censé compter sur la bienveillance, je sais pas, Elon Musk est le peur à tous. J'espère que Pierre Gattaz aura une petite pensée pour moi quand il fera je sais pas quoi, enfin, lui et ses potes. Quand il mangera sa sixième truffe. Quand il mangera sa sixième truffe pour dessert. Et c'est vrai que la question, y a-t-il des bons lobbies ? Moi, j'avais pris ce sujet en me disant justement que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme Sandrine en disant le lobby, c'est forcément mauvais. Mais c'est pas le lobby qui est mauvais. Je considère que même les gens-là, ils sont même plus lobbyistes. C'est autre chose. C'est des corrupteurs, en vrai. C'est des gens... là, quand on voit les, j'allais dire, les Macron Leaks, les Uber Leaks... C'est un type qui se balade avec des mallettes. Tu comprends même pas. Moi, j'ai lu en diagonale, mais j'ai du mal à comprendre les raisons de Macron. Alors, moi, je suis un simple citoyen, donc je peux faire des hypothèses. Alors, je sais pas ce qu'ils ont financé sa campagne. Est-ce que je sais pas. Parce que lui, son... même toucher un chèque, parce que je me dis, le gars, qu'est-ce qu'il en a à foutre de défoncer complètement le code du travail pour des chauffeurs VTC. Enfin, en soi, y a pas Uber, en fait, qui est dans le truc, mais il y a un lobbyiste d'Uber qui a participé au financement de la campagne de Macron. Ouais, voilà. Là, c'est sûr. Bon, là, tu dis. Ouais, donc si, on est dans la. Mais à titre personnel, je crois. Mais... Oui, bah oui, mais c'est. Ouais, mais pareil. Après, c'est des stratégies, quoi. Parce que, bon, c'est leur ligne de défense. Évidemment que ça ne va pas être Uber directement qui va le faire. C'est comme ça qu'ils se défendent. C'est toujours, il y a interdit. Quelqu'un qui sert de fusible, quoi. Donc, ça va être lui. Et même, en fait, c'est des lois qui sont exprès. Là, le dernier cash investigation, c'était là-dessus. C'était en Corse et la PAC, le truc agricole. La politique agricole. Putain, il y avait une nana dans le documentaire qui avait touché plusieurs millions de je sais pas quoi, de je sais pas qui. T'avais un gars qui détournait les sous, qui siégeait à la commission qui est censée contrôler les fraudes. Et voilà. Et il y a aussi le fait, Elus Lycée pointait avec une sorte de neutralité un peu humoristique, que la commission, les gens en Europe qui ont écrit ce truc, qui sont les experts, les bac plus 12, des gens qui travaillent au Renouval, qui sont des doctorants, qui veulent, hein, ont laissé des trous que même des citoyens lambda voient. Tu vois, c'est marrant, hein. C'est chaque fois ils se gourrent. Alors tu sais pas, parce que des fois j'ai l'impression que aussi on parle souvent de corruption économique. Et moi, ce que j'ai découvert en suivant les États-Unis, parce que c'est très corrompu, c'est qu'il y a beaucoup de corruption matérielle et de statut. Il y a des gens, en fait, c'est pas une mallette qu'on leur donne. C'est quelqu'un qui va lui assurer une position, un recrutement plus facile, une pièce à l'université, un contrat immobilier caché quelque part que. Tu t'en rends pas compte tout de suite que le gars, il est corrompu jusqu'à la hausse par des trucs très bêtes et méchants. Des accès à des restos pour se la péter, où il va pouvoir, un accès à un carnet d'adresses, c'est un truc
du trafic d'influence. Bah, c'est pour ça que je considère que c'est quand même très compliqué, parce que bon, là, je pensais aux experts, par exemple, bah, certains qu'on voit dans les caches investigations, qui sont des experts scientifiques soi-disant indépendants, mais qui en fait roulent pour telle ou telle entreprise. Ça, même si tu fais une loi pour encadrer les lobbyistes, lui, c'est un lobbyiste caché, tu vois. Oui et non, dans le sens où, en fait, à un moment donné, moi, c'est toujours pareil dans cette histoire. Il y a l'équité, le contrôle d'un côté, mais il y a la pluralité. C'est-à-dire, même si tu as un gars corrompu qui fait sa merde, si tu as une pluralité d'opinions, à un moment donné, il sera le seul à faire son raout, tu vois ce que je veux dire. Et qu'à un moment, les autres diraient, mais non, mais lui, il dit de la merde, mais lui, il bosse pour les lobbies, mais lui, c'est machin, mais lui, il a des tels intérêts, et qu'il y aurait des scientifiques qui rentreraient dans l'art, des journalistes aussi qui feraient justement leur travail, qui diraient, oui, monsieur un tel est un scientifique, oui, il a un doctorat. Mais sachant aussi que, comme tu l'as dit toi-même, c'est que le député qui va l'écouter, parfois, il a travaillé pour l'entreprise avant, etc. Et en fait, il est juste d'accord. Et le fait de rencontrer des lobbies, c'est un prétexte pour pouvoir dire, en fait... Comme je t'ai dit, c'est d'un côté, moi, je considère qu'il y a le contrat et tout. Et après, il y a ce qu'on appelle la médiation des conflits, quoi. Là, le problème, c'est qu'on est corrompu partout. C'est que le gars, il fait ça. Mais dans une... Admettons qu'on n'arrive pas trop à gérer les lobbies. Mais on a des médias qui fonctionnent. Et la joie, quand il vient sur un plateau télé qui ne se présente pas comme on espère, le journaliste, il est introduisant... Ceci est monsieur machin, qui a en fait été jugé pour, qui est dans des histoires de corruption, qui est ceci, qui est cela. À vous la parole, monsieur. Il va perdre en crédibilité. Puis ensuite, quand notre cher président va faire une commission spécialisée entourée de corrompus et que ça serait en disant, bah, notre président ou un tel a fait une commission entourée des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, les gens, ils vont commencer à faire, oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce qui est vrai. Parfait, des fois, tu ne sais pas. C'est le secret et c'est le, rien que le fait de le savoir, ça crée un malaise. Là, les Uber Leaks, moi, ouais, je suis très étonné que ce soit pas sorti avant les élections, même des petits bouts, parce que putain, ça aurait changé un peu l'ambiance, hein. Je suis désolé, hein. Moi, je sais pas, on va dire, attendez, monsieur, même si vous avez l'humilité, monsieur le président et monsieur le ministre, peut-être que les intérêts du pays, parce qu'il était là, il avait un discours sur les intérêts de la nation. Bah, il aurait, je sais pas, il y aurait des débats intéressants, même pour les gens, même pour un macroniste, de se dire. Bah alors, en fait, ça n'a pas de sens. Et ça vaut pour tout le monde. Moi, je considère que tu sois de gauche, droite, d'extrême droite ou non, la corruption dans la politique, les élus sont là, normalement, pas pour s'en mettre plein les foyers et de permettre à des groupes d'intérêts privés de s'en mettre plein les fouilles. Du coup, je vais lire, Abdel qui dit « Par contre, le débat est biaisé, il n'y a pas de bon ou de mauvais lobby, c'est un système. Une autoroute pour le business international, c'est construit pour les lobbies, en fait. » Voilà. Oui, 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 d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis, c'est repenser repenser qu'est-ce que c'est que comment encadrer, même avoir du lobby. Parce que je me dis que ça peut. Normalement, moi, tel que je vois en France en tout cas, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, par exemple, devraient, je sais pas, faire entre guillemets, avoir le droit de faire plus de lobby. Là, ce qui s'est placé avec et autres, c'est. Les hauts fonctionnaires me font pitié, c'est-à-dire que les gars, ils attendent une période pseudo-politique pour dire « Ah, il a externalisé, il ne nous respecte pas, il ne prennent pas de expertise. » Pourquoi il a attendu ce moment-là? Parce que c'est un lâche et que c'est la période d'élection, j'en sais rien, qui fait son truc. Ça ne devrait pas, il devrait avoir quelque chose qui permette que ce genre de… Il y a un problème de… C'est pas un problème de transparence, on s'en bat la race. Tout est transparent, en fait. Il y a un problème de médiation pour moi. Les choses qui sont accessibles ne sont pas communiquées au public. Donc, c'est bien vraiment en disant, c'est transparent. Si vous savez où aller chercher et que vous avez le temps et machin, et que vous avez l'expertise suffisante, vous pouvez comprendre que, et donc, comme ainsi de faire. C'est ce que j'appelle, pour moi, l'argument, je disais, droitier et macroniste, qui est, on serait tous égaux, on aurait tous le temps, le machin. La preuve, eux-mêmes, ils se font murmurer à l'oreille, même pour pouvoir aller dans le sens de leur propre idéologie, il faut qu'il y ait des gens qui leur fassent de la propagande et qui leur disent quoi dire, quoi faire et comment. Mais après, il t'expliquait que toi, dans ton petit coin, qui n'a pas accès à cette médiation, tu serais capable de comprendre. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux croire, même moi, tu peux croire des gens de toute bonne foi. Quelqu'un, il t'arrive et il te dit « Tout va bien, il n'y a pas de problème de je sais pas quoi. Non, l'amiante, ce n'est pas un problème. » Tu vois. Bon, maintenant, je crois que les gens, ils y croient plus. Enfin, il y a des gens qui n'y croient plus, qui se disent ils acceptent l'idée qu'on vit dans un monde où tu as des gens qui ont fait des études de médecine, des gens qui sont des scientifiques, des gens qui sont censés représenter la justice, qui sont tellement corrompus jusqu'au trognon que le but, c'est de foutre la merde et en plus faire croire qu'ils sont gentils. Donc, du coup, les gens, ils sont un peu plus méfiants. Et ce qui est marrant, c'est que c'est mortifère pour le système, hein, clairement. Moi, j'avoue que je suis assez désabusé. Comme tu disais, Romaric, tout à l'heure, des fois, je me dis que les gens, ils sont soit corrompus, soit des imbéciles, au mieux des naïfs, ou des gens qui s'en foutent totalement, en fait.
Voilà. Je suis pas forcément corrompu, mais c'est un métier qu'ils exercent, de s'occuper d'emmerder la vie des gens et de faire de la politique. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, c'est clair. Il est 1h40, je ne sais pas si Abdel, tu as quelque chose à rajouter ou si on conclut pour un prochain rendez-vous. On va laisser le chat et tous ceux qui sont en l'heure et qui refusent de dire qui sont. dénoncez-vous. Alors là, en plus, je me dis, on diffuse sur LinkedIn, il doit y avoir des gens, parce que selon l'algorithme, LinkedIn, c'est quand même parfois le temple, on va dire, de certaines lignes idéologiques, les gens, ils doivent se chahuter. Et d'ailleurs, ça te donne l'impression à tort qu'il n'y a que des gens qui pensent pareil, alors qu'en fait, non, c'est clair. D'ailleurs, moi, j'étais très soutenu là-dessus. C'était sympa, ces débats, merci. Bah, merci à toi d'être intervenu. Sandrine, du coup, Sandrine Elkrief, je vais te laisser conclure. C'est Romaric Elkrief. Ouais, moi, mais on change. On est... Ah, voilà. On change. On change. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, ça conclut ce curateur d'août 2022, j'allais dire 2018. Ouais, COVID n'a pas du tout existé. Du coup, comme d'habitude, vous aurez accès à toutes nos ressources parce qu'on va faire un petit dossier. Mmh. Vous pouvez retrouver toutes les ressources qu'on vous a présentées pour vous si vous voulez aller plus loin, etc. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des choses à nous dire ou autre. Et sinon, bah, on se retrouve, le prochain rendez-vous, c'est le Ludéomeda. Donc, c'est le mercredi 10 août à partir de 19h. Ça sera aussi en ligne, en multistream, donc sur LinkedIn, etc. Et là, ça sera aussi une revue, un peu plus tranquille, entre guillemets, ce sera juste du loisir. On sait se détendre. Sur ceux qui demanderaient, est-ce qu'ils sont toujours sérieux comme ça ? La réponse, on est oui, on est sérieux même dans la détente. On se détend sérieux. Exactement. Voilà, en tout cas, merci. Non, vas-y. J'allais dire merci aux spectateurs qui ont suivi. Bah, merci à Romaric et à Sandrine d'avoir été présents. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre ou qui vont prendre des petits moments de détente, peut-être pour se couper un peu de tout, d'ailleurs. Coupez-vous de tout. Donc, pour qu'on puisse se retrouver, je ne sais pas si Romaric, tu as une info, un truc à faire passer. Non, voilà. Moi non plus. Donc, Sandrine, je vais te laisser. Bonne soirée à vous et bientôt. Bon été pour ceux qui partent en vacances. Salut, midi. Bonne soirée, Abdel. Voilà. Sandrine, je vais te laisser faire le fameux compte à rebours de la conclusion. Ça marche. Voilà. Alors, du coup, je vais couper les streams dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon été, bonne